Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Confronte après une pause estivale de 3 mois. Depuis le 24 août dernier, les montagnes de la Concadore au-dessus de Saint-Florent offrent un spectacle de désolation. 550 hectares sont partis en fumée en seulement quelques jours et la région gardera longtemps les stigmates du plus important incendie de l'été. Confronte y revient ce soir sur cet épisode dramatique. Nous allons tenter d'élargir le propos, d'aller plus loin, de comprendre les causes et les mécanismes des incendies en Corse en compagnie de nos 4 invités. Bonsoir Alexandre Sens, vous êtes le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse que vous représentez ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Charles Baldassar, vous êtes colonel, vous êtes directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Bonsoir. Et vous étiez sur cet incendie, fameux incendie de Barbage dont on parlera pendant cette émission. Paul-Antoine Santoni, bonsoir, vous êtes professeur à l'Université de Corse. Vous travaillez sur la problématique des incendies au sein de l'unité Sciences pour l'environnement. Et enfin, Antoine Vincent, vous êtes le maire de Poggiodolette, l'une des communes touchées par cet incendie. Pour débuter cette émission, messieurs, je vous propose de regarder ces images. Elles ont été tournées par Christian Giuliano de France 3 Corse quelques jours après les incendies, ou en tout cas une fois que l'incendie était sous contrôle, maîtrisé. C'était le 27 août dernier. Image aérienne impressionnante. On peut voir donc l'ampleur de cet incendie. C'est 550 hectares qui sont partis en fumée. Je l'ai dit au début de cette émission, le plus gros incendie de l'été. Monsieur le maire, quelle est votre réaction quand vous voyez ces images que vous avez déjà vues, j'imagine? Oui, monsieur Mariani, merci de me demander de témoigner. D'abord, ma réaction, c'est une réaction d'émotion. Je suis stupéfait par les dégâts provoqués par cet incendie. Et comme vous l'avez dit, nous allons garder les stigmates de cet incendie pendant longtemps. Monsieur Santonio, stigmate de cet incendie pendant longtemps, 20 ans, 30 ans, est-ce qu'on a une échelle de temps? Est-ce qu'on a une temporalité? Oui, écoutez, la temporalité dépend du couvert forestier qu'il y avait, en fonction de la nature des espèces, si c'était du maquis ou du feuillu. Je ne connais pas bien la région, mais il me semble que c'est surtout du feuillu, donc ça devrait être entre 20 et 30 ans pour une reconstitution complète du couvert. On parlera des conséquences économiques pendant cette émission, bien entendu, mais d'ores et déjà, il y a déjà des conséquences, puisqu'à cause des pluies de mardi soir, il y a déjà des éboulements, une route qui a été partiellement fermée, monsieur le maire. Oui, monsieur Mariani, effectivement, hier soir, donc mardi soir, nous avons subi nos premières intempéries depuis le feu, et effectivement, les services du département sont intervenus toute la nuit afin de dégager les coulées de boue, les chutes de pierre, et la route a été fermée jusqu'à midi aujourd'hui. Alexandre Sens, alors une enquête est ouverte sous l'égide du parquet de Bastia, une enquête de flagrance et désormais une enquête préliminaire pour déterminer les causes de ce sinistre. En l'état des investigations et sans trahir le secret de l'enquête, est-ce qu'on peut dire que l'origine criminelle de cet incendie ne fait plus de doute aujourd'hui, en tout cas plus guère de doute? Écoutez, je ne peux pas me prononcer pour M. le procureur de la République, mais effectivement, les pistes que les enquêteurs aujourd'hui expertisent tendent plutôt à penser que ce feu n'a pas une origine naturelle. Ça semble pour le moins évident. Ce feu a débuté quand, colonel Baldassar? En pleine nuit, c'est ça? Ça a débuté dans la nuit du 22 août au 23 août, peu après minuit. Un soir de vent. Un vent de nord-est, pas forcément si fort, mais quand même constant et tourbillonnant. Et le feu est parti donc à ces dates-là et a duré quelques jours. Monsieur le maire, on ne sait pas si le feu est d'origine criminelle, l'enquête le dira. Est-ce que la commune a déposé plainte? Bien sûr, j'ai déposé plainte, nous sommes même portés partie civile et nous espérons que nous allons identifier le ou les coupables et je vous garantis que nous ne serons pas tolérants. Et si vous saviez au jour d'aujourd'hui qui a mis le feu, vous le dénonceriez? Absolument, absolument. Il a détruit celui ou ceux qui ont mis le feu. On détruit quand même une grande partie de notre nature. Je vous rappelle que 26% du territoire de la commune de Poggio a été brûlé, une grande partie sauvage du territoire de la commune de Poggio, sans compter le parcours sur Barbaggio. Et donc, c'est catastrophique pour la nature. Il y avait 200 hommes sur le terrain pour
tenté de contenir ce feu, appuyé par d'importants moyens aériens. On voit à nouveau les images de cet incendie et de ce feu qui se propage à proximité d'exploitations agricoles, de vignes. Il y avait également de nombreux moyens aériens sur place, jusqu'à 6 avions. Alors moi, j'ai pioché ça et là quelques chiffres. Vous me direz s'ils sont bons ou pas. Une heure de Canadair, ça coûte environ 7000 euros, c'est-à-dire le carburant, les personnels, etc. Est-ce qu'on a une estimation? Est-ce qu'on sait ce que ce feu a coûté aux contribuables? Si je vous dis 1 million d'euros, on est dans une bonne fourchette? C'est difficile d'évaluer, hein, j'imagine. C'est difficile d'évaluer, puisqu'il y a quand même un nombre important de moyens qui ont concouru directement, indirectement, à la résolution du problème. Effectivement, on peut, nous, avoir une première approche, et d'ailleurs, le président du conseil départemental, président du SDIS, M. Hollande, il nous a demandé d'établir De chiffrer exactement ce que ça a coûté pour le SDIS. C'est tout à fait, c'est logique. Donc nous sommes en train de procéder à ce chiffrage direct et indirect. Après, il y a des ratios qui sont donnés pour les moyens aériens. Il faut les multiplier par le nombre d'heures de vol qui ont été conséquents sur ce feu. Je pense que le coût est lourd. Il est aussi lourd, même si ce n'est pas la même chose que la destruction de l'environnement sur ce secteur de la Concadore. Alexandre Sens. Je voulais signaler que c'est effectivement en cours de calcul, mais on a sur cet incendie, on a l'illustration de ce que peut être la mobilisation maximale de moyens de tous les départements ministériels, mais également des élus locaux. Donc le chiffrage est particulièrement complexe. Avec des renforts venus de la Drôme également. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a un principe de subsidiarité dans la lutte contre l'incendie qui fait que lorsque les moyens départementaux ne sont pas suffisants, on obtient des moyens de renforts adaptés au risque. Et donc on a eu des renforts qui sont venus jusque depuis la Drôme pour pouvoir lutter. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que si la lutte contre l'incendie a un coût, elle n'a pas de prix, et que tous les moyens sont mis pour lutter contre le sinistre et protéger les habitants. Il y a eu une polémique, vous l'avez tous vécu. Un habitant de la commune, sur son compte Twitter, a qualifié les pompiers d'incompétents. Alors comment l'avez-vous vécu? Était-ce selon vous sur le coup de l'émotion? Commencez par Monsieur le maire et puis le colonel Baldassare, directeur cabinet, nous donnerons leur avis. Oui, vous en avez parlé avec cette personne? Bien sûr, Monsieur Marianne. Bon, vous voulez réévoquer ce sujet qui est manifestement sensible. Moi, je vous dirais que bon, il faut qu'on se préoccupe de l'essentiel, la polémique. Vous savez, il faut qu'on ait tous à l'esprit que le feu, il a quand même duré 5 jours. Ça n'a pas été un feu comme ceux qui passent habituellement sur la commune, avec un lébetch où le feu il dure 2 heures, 3 heures. Là, il a duré 4 ou 5 jours. Et donc, si vous voulez, on a vu progressivement la nature partir en fumée. Et donc, si vous voulez, bon, quand vous n'êtes pas au contact des pompiers, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et donc, vous pouvez penser qu'il y avait des solutions et que ces solutions n'ont pas été mises en œuvre. Donc, je pense que c'est surtout l'émotion qui est à l'origine de cette question. Moi, comme j'ai participé à cette lutte aux côtés des commandants, aux côtés des hommes de troupes, je peux vous dire qu'il faut faire cesser cette polémique et que les moyens humains ont bien joué leur jeu et qu'ils ont défendu la population et le site contre le feu. Colonel, ça a été mal vécu par les hommes sur le terrain, vous êtes passé outre? Mais vous avez répondu quand même sur le compte Twitter du SDIS, invitant cet habitant à venir voir ce qui se passait sur place. Absolument. Moi, personnellement, j'étais concentré avec la plupart des cadres sur la gestion d'événements, d'ailleurs, aux côtés de nos élus. Il est vrai que ça crée une certaine émotion au sein du corps des sapeurs-pompiers, et c'est pour ça que le directeur du SDIS a réagi. Mais en essayant de faire œuvre de pédagogie, lorsque on a mis ce tweet à l'intention de cette personne, c'est réellement pour l'inviter et venir voir le travail qui était accompli et lui expliquer la stratégie. Parce que s'il était venu, on lui aurait expliqué au sein du poste de commandement quelles étaient les difficultés et comment on y travaillait. Voilà, donc après, bien entendu... En interne, nous avons recadré les choses, on s'est concentré sur l'essentiel était d'éteindre le feu.
Oui. Le colonel a bien parlé, mais je voulais insister sur le fait que toutes les forces de secours et de sécurité qui ont travaillé l'ont fait au péril de leur propre intégrité physique, qu'ils se sont sacrifiés et qu'aujourd'hui, il faut vraiment leur rendre hommage. Les images que vous avez tout à l'heure montrées révèlent que c'est un incendie extrêmement complexe, à flanc de falaise, difficile d'accès, d'une ampleur sur un lieu topographique complexe. Donc moi, je tiens aujourd'hui tout particulièrement à nouveau à adresser mes plus vives félicitations à tous les soldats du feu, du SDIS, mais également des moyens, des renforts nationaux qui sont venus nous aider, tous les pilotes des aéronefs qui ont engagé leur sécurité au profit de leurs concitoyens. Polémique est close. Il y a eu évidemment des conséquences économiques importantes de cet incendie, notamment pour les vignobles de patrimoine. Voyez ce reportage réalisé pendant l'incendie et quelques jours après qu'il eût été maîtrisé par Maya Graziani. Le feu s'est arrêté juste avant cette parcelle de vigne, mais sur un hectare, les pieds de Nielouch sont desséchés par le sel. Les Canadaires qui ont jeté de l'eau salée pour essayer d'éteindre le feu, je me suis aperçu deux jours après qu'il y avait les feuilles qui commençaient à sécher. Ce matin, j'ai rencontré les pompiers, ils m'ont dit qu'ils seraient venus volontiers essayer de laver la vigne pour enlever le sel qu'il y a dans la vigne. Mission accomplie par la sécurité civile de Corté. Plus loin, ce sont des sapeurs de la Drôme qui débusquent les dernières fumerolles au-dessus de Briette. Ici, les flammes ont léché plusieurs rangs de vignes, près d'un hectare sur les 100 de l'exploitation. Résultat, parcelles vendangées 3 semaines avant la date prévue et changement de couleur. C'est une parcelle qu'on vinifie toujours en rouge. Et étant donné que la pellicule fine qui est sur les raisins absorbe terriblement tout ce qui est odeur environnante, donc pour limiter ces odeurs de fumée, on va changer la méthode de vinification et on va faire du pressurage direct sur rosée. Les plus gros dégâts sont là. 70 ruches brûlées au domaine Pétré-Cajol, une perte énorme pour l'exploitant. Mais ni les villages, un temps menacés, ni les habitations isolées n'ont été touchées. Et malgré les 544 hectares parcourus, le bilan est positif pour les soldats du feu. Voilà, bilan positif, M. Santoni, mais évidemment, conséquences économiques importantes. C'est une évidence. Oui, quand on voit ces agriculteurs, viticulteurs, les ruches qui sont impactées, il faut bien sûr prendre en considération tout ça et assez rapidement pour que les agriculteurs puissent se retourner et avoir un petit peu une aide qui puisse, surtout on pense à ces ruches là, c'est une grosse partie de la production qui s'en va cette année, il faut aider ces gens. 550 hectares, ça aurait pu être pire, colonel. Vous avez fait des simulations, d'ailleurs, je crois. Alors, 550 hectares... C'est déjà énorme, mais ça aurait pu être pire. C'est important, c'est vrai que c'est important, et on mesure l'importance de la superficie. Réellement, si on compare ce feu à ce que nous vivons actuellement en Corse et sur le continent, nous avons une sécheresse qui est extrême. Mmh. Nous avons des vents qui sont tourbillonnants, qui sont parfois forts, et nous avons des vitesses de propagation qui sont les plus élevées de ces 10 dernières années. Elles sont de quel ordre ? Entre 1500 mètres à l'heure jusqu'à 2500 mètres à l'heure pendant la période considérée. Donc le feu avance très vite. Et puis par comparaison, regardez ce qui s'est passé sur le continent. À Marseille notamment, hein, enfin, Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Aude, etc. Dans le Portugal aussi. Des feux de petite superficie, il en existe. C'est le gros pourcentage des feux, ceux dont on ne parle jamais, c'est les 97% Et 1% dégénère. Et puis les 2% et 1% dégénère. Mais 550 hectares, au regard de la configuration du terrain, je pense que, et je l'ai dit, hein, que les moyens de lutte ont fait un travail extraordinaire, ont été... particulièrement coordonné sous l'autorité du préfet de la Haute-Corse. Mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est que, mais M. Santoni le dira mieux que moi, au titre d'un outil de prédiction et de prévision, de simulation, on en parlait. L'Université de Corse, on l'a sollicité, puis on a essayé de voir quel aurait pu être le parcours du feu si réellement le feu avait totalement dégénéré. Et on serait passé de 550 hectares à près de 6000 hectares. Donc, ce qui veut dire quand même que les orientations prises sur le terrain, en concertation avec les élus, sous l'autorité du préfet, avec les exploitants,
ont été de bonne teneur stratégique et ont réussi. Monsieur le directeur, en ce qui concerne les dégâts à ces exploitations causées par les incendies, contrairement aux catastrophes naturelles causées par le vent, les inondations, oui. L'État n'intervient pas financièrement, nous sommes d'accord. Hein. C'est donc aux assurances de prendre le relais. Oui, tout à fait. Le régime des catastrophes naturelles exclut les dommages qui peuvent être assurables. Donc, en l'occurrence, les pertes pour l'agriculture et l'apiculture que nous venons de constater peut être couvert par une assurance privée. Dès lors, il n'est pas éligible au dispositif des catastrophes naturelles. Monsieur le maire, vous avez rencontré les viticulteurs. Ils sont en cours d'évaluation des dégâts, j'imagine. Oui, bien sûr, bien entendu. J'ai rencontré, vous l'imaginez, j'ai été au contact à la fois des personnels du feu et de la population, et aussi des exploitants. Bon, aujourd'hui, vous savez, vous avez noté vous-même, il y a des dégâts. Bon, ils ne sont peut-être pas si dramatiques que ça, sauf peut-être pour l'apiculteur. Mais je pense que le dégât essentiel économique va aussi venir de la situation qu'on va offrir dans cette zone, cet écrin. Le panorama. Le panorama. N'oubliez pas qu'on est en plein site classé de la Concador, et que cette façade est vraiment la façade qui est là dans l'écrin et qui nous permet d'avoir une belle vision. Qui domine le golfe de Saint-Florent, voilà. Etc. Donc, les pertes économiques, elles sont directes, bien sûr, celles que vous avez citées, mais elles sont aussi indirectes, et on n'a pas fini de les compter. Voyons, si vous voulez, bien quelques chiffres. Ce sont les chiffres des incendies et des mises à feu entre le 1er juillet et le 31 août. 256 feux pour 918 hectares brûlés, ce qui comprend bien évidemment les 550 hectares de barbage. À la même période l'année dernière, donc en 2015, 2200 mises à feu pour 270 hectares. La pression incendiaire, colonel, repart à la hausse? Ou est-ce que c'est l'effet mécanique de l'incendie de barbage qui, forcément, fait augmenter la moyenne des surfaces parcourues? Non, ça repart à la hausse. Et j'ai des chiffres qui sont plus significatifs que ce que vous venez de présenter. Je vais vous donner deux chiffres qui sont très révélateurs de la pression incendiaire. Entre le 1er juillet et le 22 août... Avant donc le feu de barbage. Avant le feu de barbage. Nous étions à 52 feux dans le département pour 200 hectares. Du 24 août, du 22 août au 28 août, nous avons additionné 52 autres feux. Nous avons fait sur cette période de quelques jours autant de feux que sur la première partie de la campagne. Et bien évidemment, sur cette première partie de campagne de 52 feux, il y avait 200 hectares. Nous sommes passés de 200 hectares à quasiment 900 hectares, puisqu'il y a les 550 hectares du feu de barbage. Ce qui veut dire quand même que la pression incendiaire s'est considérablement accrue pendant cette période-là. Alors, tout le monde a à l'esprit et en mémoire les feux du pourtour du Grand Bastia, à Corté, sur la plaine orientale. Et c'est ces secteurs-là qui se sont réactivés subitement pendant ces quatre jours. Et donc le nombre a explosé en termes de feu. Et puis nous avons connu ce feu de barbage avec une superficie énorme, 554 hectares qui se sont additionnés aux 200 premiers de la première partie de la campagne feu de forêt. Alexandre Sens, est-ce qu'on sait pourquoi cette pression incendiaire augmente tout à coup? Est-ce qu'il y a une explication objective, rationnelle? Disons que les départs de feu... qui ont une cause criminelle que nous connaissons, mais ce sont des cas qui ont été présentés à la justice. Et qui ont oui, il y a eu trois condamnations. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez suffisamment rare pour être souligné. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail des forces de l'ordre pour mailler le territoire, surveiller et essayer d'interpeller les pyromanes. Et ce qui est frappant, c'est les explications données par ces pyromanes devant le tribunal, qui montrent le caractère totalement dérisoire des motivations. Alors pour un, c'était pour voir évoluer les canadaires et les pompiers au sol. Pour un autre, c'était un accident, il a jeté un mégot, c'était le feu de la Marane, sans prévenir le secours, manifestement. Pour le troisième, c'est un forestier-sapeur qui a lui-même enclenché une mise à feu. Donc effectivement, est-ce qu'on est toujours dans cette logique, M. Santoni, d'origine agro-pastorale des feux, qui représentait la majeure partie des feux il y a encore quelques années, ou est-ce que c'est en train de changer? Ça a considérablement changé. Si on se fie
aux statistiques qui ont été faites hein, par... Il y a deux cellules, une en Haute-Corse, une en Corse du Sud, qui sont les cellules techniques d'investigation incendie de forêt. Et sur la période 2004-2011, les analyses montrent qu'il y aurait 7% des feux qui seraient d'origine agricole, donc sur l'ensemble de la Corse, avec une prépondérance un peu plus sur la Haute-Corse que sur la Corse du Sud. Donc on va dire que ça reste une des causes, mais ce n'est pas la cause majeure. Il y en a d'autres aujourd'hui. Il y en a bien d'autres, et je crois que les travaux ont été faits par à la fois... les groupes techniques départementaux, les chambres d'agriculture, les offices, les forestiers-sapeurs, pour discuter avec les agriculteurs et trouver des solutions qui font que, à ma connaissance, d'un point de vue statistique, ce n'est plus un problème prépondérant en Corse. D'autant qu'il y a des zones qui brûlaient beaucoup, le Cap Corse, et qui brûlent moins, ou quasiment plus, colonel. Mais il y a des explications quand même. Je pense qu'en Corse, nous avons une planification de protection contre les incendies qui est remarquable. Alors, elle s'est établie après les incendies, on oublie, mais elle s'est établie après les incendies de 2003 et en 2006. Le gros incendie de Calenzana notamment. Des deux départements qui ont été lourdement touchés, comme le reste de l'arc méditerranéen. Mais après cette période de 2003, en 2006. Il y avait deux plans départementaux de prévention des incendies qui ont été fusionnés et qui ont donné naissance à la planification régionale. Cette première tranche en 2006 a été évaluée, puis une deuxième en 2013 a vu le jour. Et la stratégie d'intervention a été consolidée ainsi que... a été développé nombreuses zones d'appui à la lutte, des coupures de combustible, des pistes DFCI, donc une structuration du terrain qui est importante d'abord en prévention, en prévision et lorsque nous sommes en phase de lutte. Et pour revenir, donc ces travaux menés par des experts pluridisciplinaires sous l'autorité des deux préfets, et je rappelle quand même que cette planification a été arrêtée par le préfet de Corse avec des avis positifs des collectivités majeures, CTC, les deux conseils généraux de l'époque et des conseils départementaux actuellement. Au titre des statistiques, les incendies d'origine humaine sont majoritaires avec 51%, c'est ce qui se passe en Corse actuellement. Que ce soit une origine agro-pastorale ou autre. Voilà, 51% d'origine humaine volontaire, 43% d'origine humaine involontaire et 6% qui sont dus à des origines naturelles. Et après, on peut faire un focus. On peut se dire, mais pourquoi en Haute-Corse, ça brûle plus qu'en Corse du Sud? Effectivement, les statistiques parlent et on a une réponse. De même. Mais la réponse, c'est la pression incendiaire. Moi, pour avoir travaillé en Corse du Sud, il n'y a pas la même pression incendiaire. Et les chiffres sont terribles. Sur les origines humaines volontaires, vous avez 32% en Corse du Sud et vous avez le double en Haute-Corse, 66%. Donc, les origines naturelles, la foudre, elle tape aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. C'est sensiblement le même pourcentage, même si c'est un peu défavorisé parce qu'on a des montagnes qui sont orientées différemment avec un pourcentage supérieur. Et par contre, sur les origines humaines involontaires, là, c'est le ratio est inversé. Il y a plus d'accidents en Corse du Sud, 62%, que 27% en Haute-Corse. Et donc, on a un territoire qui est marqué par cette pression incendiaire, qui est historique. Mais on a réussi à inverser le processus. Dans certaines régions, comme le Cap Corse, par exemple. Absolument, absolument. Pas que, mais... Le Cap Corse, la Balagne. Moi, j'ai travaillé en Balagne. Alors, on ne devait pas être l'oiseau de mauvais augure. Mais à ce jour, nous n'avons connu aucun feu en Balagne. Moi, j'ai vu des feux gigantesques en Balagne. Pour que le téléspectateur comprenne bien, lorsque le feu est d'origine agro-pastorale, quel est l'intérêt pour celui qui l'allume? C'est d'avoir du package alors qu'il y a une interdiction de 10 ans. On a du mal à comprendre les mécanismes. Qui peut les expliquer? Monsieur le directeur ou Monsieur Santoni peut-être? Les éleveurs, pour ceux qui allument des feux, ont un intérêt économique? Écoutez, je ne pense pas qu'il faille focaliser là-dessus, puisque c'est pas la cause principale, je dirais. Ça l'a été peut-être par le passé, mais comme vous l'avez souligné, ça n'est plus qu'en dans le Cap, ça n'est plus qu'en Balagne, ça n'est plus le cas aussi dans certaines régions en Corse du Sud. On pense au golfe de Lava aussi, par exemple, où c'était assez marqué.
Donc je ne sais pas à l'époque quelle était leur raison. D'un point de vue historique, en Haute-Corse, peut-être un découpage des territoires qui n'était pas le même qu'en Corse du Sud, hein, la terre des seigneurs et d'un autre côté la terre du commun. Donc, mais bon, passer cet aspect-là, actuellement, c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Monsieur le directeur, monsieur le préfet a pris une interdiction de pacage sur la zone de barbage et une interdiction de chasse également. Est-ce que c'est quand même difficile à faire appliquer sur un territoire aussi vaste et sur une superficie de 500 hectares ? Ben si, évidemment, c'est compliqué à faire appliquer, mais les forces de l'ordre s'y emploient. Bon, on peut supposer que ce type d'incendie puisse bénéficier à un braconnier chasseur. Pour libérer de l'espace. Voilà, c'est beaucoup plus simple de chasser sur un espace lisse. Ou bien, tout simplement, profiter de la repousse fraîche du maquis pour nourrir donc, des animaux. Donc, pour que le crime ne profite pas à son auteur, le préfet a décidé d'interdire la chasse et le pacage sur les territoires incendiés. Et alors, la question de comment on va faire pour l'appliquer, eh bien, c'est la même chose qu'on fait pour la surveillance des territoires, c'est-à-dire des rondes et patrouilles de la gendarmerie nationale, avec donc là aussi la volonté de faire respecter cet arrêté, qui, s'il n'est pas respecté, est lui aussi soumis à des sanctions particulièrement dissuasives. C'est un délit ? C'est un délit. Monsieur le maire, il y a eu d'autres mises à feu, je crois, ces dernières heures sur votre commune, en tout cas une au moins. Oui, il y a eu une mise à feu hier, tout près du village, et on a craint encore le pire. Et heureusement que les services de secours sont intervenus très rapidement. Et je tiens aussi à les remercier, comme l'a fait le représentant du préfet. Vous parliez des interdictions. Je voulais quand même de pacage et de chasse. Je me permets quand même de signaler que l'interdiction de chasse, nous l'avons souhaité. C'est nous, les maires, qui avons souhaité que le préfet réglemente la chasse sur ce territoire. Nous veillerons à notre place à signaler, lorsque ce sera nécessaire, les débordements. S'agissant du pacage, c'est encore plus pernicieux, si je puis me permettre, parce que le maquis, la forêt, a besoin de se reconstituer. Si vous faites aller les bêtes, les vaches ou les chèvres sur des endroits brûlés avec des jeunes pousses, vous allez dans la reconstitution de ce maquis va être retardée, voire même on va plus retrouver peut-être la végétation que nous avions auparavant. Donc moi je voulais vous dire que bien sûr nous allons être vigilants pour la chasse, pour le pacage. Nous ne voulons pas que ce soit des mesures coercitives. Il faut que, et je l'ai dit à M. le préfet, je l'ai dit au président du conseil exécutif, on en a parlé avec le président du conseil départemental, il faut qu'on essaye de faire passer les messages aussi. Il faudra que peut-être on réunisse les éleveurs de la région pour les inciter. Il y a suffisamment de territoires encore non brûlés pour qu'ils aillent sur ce territoire et qu'ils évitent pendant quelques années, les années cruciales, vous savez, les 5, 6, 7 premières années, qu'ils évitent d'aller sur ce territoire. Il y a une obligation faite aux particuliers de débroussailler autour des habitations. Certains ne le font toujours pas. Est-ce que c'est au maire de se substituer aux habitants ? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Que dit la loi ? Les obligations légales de débroussaillement, bon, c'est un dispositif qui s'impose à chaque particulier qui se trouve dans le territoire d'un plan de prévention du risque feu de forêt, comme l'évoquait le colonel Baldassar. Bon, l'idée est simple, hein, c'est que si on débroussaille, eh bien, ça permet de limiter la propagation des incendies. Mais si on ne le fait pas, ça le favorise. Donc le dispositif réglementaire en vigueur en France fait que cette obligation s'impose dans les communes. On a un premier niveau, donc il y a un niveau qui repose essentiellement sur les élus locaux. Hein, c'est le premier échelon local de sensibilisation des habitants à cette obligation-là, de vérification. Et après, donc, en cas de non-réalisation de ce débroussaillement, eh bien, il y a des dispositifs, cette fois-ci coercitifs, qui reposent donc sur des procédures en parallèle, soit judiciaires, soit administratives, de sanctions pour les propriétaires qui ne débroussaillent pas. Alors, nous sommes confrontés à quelques difficultés spécifiques sur les résidences secondaires, qui sont pour certaines inoccupées
Plutôt sur des zones Balagne. Oui, effectivement, la Balagne, le centre Corse, et ces zones de villégiature secondaire, eh bien, on a des difficultés à faire appliquer le débroussaillement toute l'année. Parce que vous n'arrivez pas à contacter les propriétaires, parce qu'ils ça ne sont pas facilement identifiables. Exactement. Et alors là, comment ça se passe? C'est le maire qui prend le relais? Écoutez, c'est une véritable problématique parce que, comme disait le représentant du préfet, pour s'attaquer au reste, il faut au moins que les habitations soient protégées en respectant les règles. Bon, moi, sur mon territoire, comme j'y suis présent régulièrement, je vais voir les gens et ils sont conscients d'ailleurs, les gens. Après, bon, je ne vous dis pas que le débroussaillement est total parce que, comme vous le disiez, il y a des résidences secondaires, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement là au bon moment, etc. Il faudra, et je me range bien sûr à l'avis de M. le préfet, il faudra essayer d'améliorer la situation. Il se peut qu'il y ait certains villages qui soient moins bien lotis que d'autres. Il faut essayer d'améliorer la situation. Mais ce n'est pas facile. Vous travaillez entre autres sur cette problématique. Oui. Quels enseignements peut-on en tirer? Oui, nous travaillons sur pas mal de problématiques liées aux incendies, et plus particulièrement aussi maintenant depuis quelques temps sur les interfaces forêt-habitat. Alors, on parle d'interface forêt-habitat, mais on devrait dire plutôt interface milieu naturel-habitat, parce que ou rural habitat, puisque c'est ce qui nous concerne en Corse. Donc la problématique, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on réduise la puissance du feu lorsqu'il arrive devant l'habitation, pour ne pas impacter de plusieurs façons, soit par un impact à distance, ce qu'on appelle impact radiatif, un peu comme le rayonnement solaire, soit par un impact de contact, c'est-à-dire la flamme qui vient lécher l'habitation, soit par un impact lié aux émissions de brandons. Donc il y a ces trois sources principales qui peuvent être cause de dommages aux habitations. Et l'idée, c'est de circonscrire un peu la zone autour de l'habitation. Alors, la loi a dit les 50 mètres, mais il faut au moins les 30 mètres, c'est le strict minimum. Il faudrait aller au-delà même des 50 mètres, alors, selon vous ? Non, ça dépendrait. Il y a des cas où il faudrait certainement aller au-delà, et il y a des cas où on pourrait aller en deçà des 50 mètres. Mais on peut dire que tout va se jouer au moins dans les 30 mètres autour de l'habitation. Donc il faut que les personnes veillent à ce qu'il n'y ait pas de tas de bois, ne serait-ce qu'au voisinage de l'habitation, des mesures de bon sens, à ce que l'herbe soit coupée et qu'elle soit rare, à ce qu'il n'y ait pas de massif près des ouvertures. Et en cas d'incendie, bien sûr, veiller à fermer les fenêtres pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc il y a un certain nombre de règles de bon sens, et puis il y a un certain nombre de règles dites constructives qui sont à adopter en fonction des régions. Alors, elles ne sont pas... Il y a des travaux qui sont actuellement menés par le Centre scientifique et technique du bâtiment pour essayer d'améliorer les dispositions constructives, et notamment pour l'usage du bois dans la construction, en se calant un petit peu sur l'expérience des Australiens qui ont subi quand même des feux assez conséquents, et qui travaillent sur trois ordres de grandeur. Donc l'aménagement paysager autour de la maison, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on appelle le plan masse en quelque sorte. Après, la disposition constructive, c'est-à-dire l'orientation des façades principales en fonction des vents dominants. Et après, la troisième mesure, c'est les matériaux de construction en eux-mêmes. Donc la partie débroussaillement, on la trouve en premier point, c'est-à-dire au niveau du plan masse, en quelque sorte. Donc il y a, pour résumer, à la fois des règles de bon sens et des règles un peu plus scientifiques qui sont en train de naître depuis quelques temps et qui devraient converger pour arriver vers une meilleure défense des interfaces pour habitat. Donc du coup, les scientifiques au service un petit peu de l'amélioration des textes de loi, quasiment. On se nourrit de ça, se nourrit des retours d'expérience. C'est tout le principe de la sécurité civile qui fait que si on a un texte qui paraît trop rigide, eh bien, comme le disait justement M. Santoni, on peut peut-être essayer de trouver des voies d'assouplissement en fonction des territoires. Il y a un effort de pédagogie à faire, on le voit bien, à la fois avec les élus, les habitants aussi. Je pense que les élus sont très conscients, très sensibilisés. Et donc, monsieur le maire de Poggio-d'Oletta en est l'exemple vivant. Après, entre la connaissance de la règle, la pédagogie et l'application de la règle, après, ben, on est face des fois à des situations où ça ne suffit pas, la pédagogie ne suffit plus. Et là aussi, on a l'impression de découvrir les choses, mais en fait, c'est le troisième axe du plan de planification, celui qui a été rajouté au FENI numéro 1 et le FENI numéro 2, part de protection des personnes, des biens, des activités économiques.
Et donc, il y a forcément... alors, c'est du travail au long cours, c'est des politiques publiques qui s'établissent, comme l'expliquait M. Santone. D'abord, il y a l'urbanisation. Il faut qu'une urbanisation soit maîtrisée, il faut qu'elle soit intégrée, il faut qu'elle puisse être protégée. Il faut le bon choix technique des matériaux pour éviter... que certaines habitations ne s'embrasent sur sur l'effet thermique. Mais tous ces axes, il faut des années et des années pour pouvoir les développer. Et puis, bien entendu, c'est compliqué. On voit très bien le rôle du maire qui est crucial sur sa commune, ceux qui comprennent et qui font les choses, et puis ceux qui sont récalcitrants, il faut les expliquer. Il y a un effet de pédagogie qui est important. Puis après, il y a ce qu'expliquait M. Sens, c'est la vérification de l'interface, du débroussaillement. Et puis pour ceux qui ne le feraient pas... Il reste les moyens coercitifs. L'application, la coercition et que force demeure à la loi. Vous travaillez également, entre autres, sur l'impact des fumées sur les pompiers qui interviennent sur les incendies. Quelles conclusions peut-on en tirer déjà aujourd'hui? Est-ce qu'on sait, par exemple, si les pompiers qui inhalent les fumées sur les incendies, on les voit ici à l'œuvre sur le feu de Barbage, est-ce qu'il y a déjà des données sanitaires qui font état de maladies professionnelles, comme c'est le cas, par exemple, et comme ce fut le cas, plutôt, pour les ouvriers exposés à l'amiante, par exemple? Alors pour l'instant, nous travaillons, donc il y a deux pistes, hein. Il y a ce qu'on appelle la toxicité aiguë et la toxicité chronique. Donc la toxicité aiguë, c'est lorsque vous êtes intoxiqué de manière très rapide par le phénomène. Et la toxicité chronique, celle dont vous parlez, c'est celle qui peut se produire sur un plus long terme, sur toute une carrière par exemple. On n'a pas assez de recul. On a débuté cette étude dans le cadre d'une thèse qui se fait en partenariat avec le ZIS 2B, justement, où nous allons regarder avec eux, lors des brûlages dirigés, quels sont les impacts sur les pompiers, donc avec des prélèvements d'urine, avec des analyses des fumées. Et bon, pour l'instant, on a quelques retours, je dirais, mais on n'est pas en mesure de tracer une voie pour diagnostiquer une toxicité chronique. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes, le premier retour que nous avons, c'est que lorsque les personnes font du brûlage, hein, c'est ces opérations que vous venez de montrer, oui. Là, voilà. Elles le font très bien, c'est-à-dire qu'elles le font de manière raisonnée, en ne se plaçant pas dans le sens du vent pour ne pas en prendre plein les poumons, je dirais. Et on arrive à voir que si, suivant les capteurs, aux endroits où on les place, ou sur les hommes, ou sur le terrain, il y a une différence importante entre ce que prennent les hommes et ce que le terrain dégage. Voilà, donc ça c'est le premier résultat que nous avons. Alors la science au service de la lutte contre les incendies, ça passe également par un certain nombre d'outils, notamment le simulateur que vous avez créé, qui est un prototype, et qui permet donc de simuler virtuellement un incendie et de permettre aux pompiers d'adapter la lutte sur cet incendie. C'est un prototype, oui. Mais il fonctionne déjà. Vous l'avez déjà fait fonctionner, je crois, c'est ça? Oui, alors d'abord, c'est un travail assez conséquent, puisqu'il fait appel à plusieurs domaines dans la recherche. On a des gens qui travaillent en modélisation, on a des chimistes, on a des informaticiens, et donc c'est l'interdisciplinarité qui fait qu'au final, on arrive à produire un outil qui rassemble toutes ces compétences. Donc cet outil, à l'heure actuelle, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'il nécessite encore beaucoup d'améliorations, notamment au niveau de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire la connaissance du matériau qui brûle, la végétation. On sait qu'en Corse, il y a pas mal de complexes végétaux, et on n'a pas... retirer tous les intrants. On connaît par exemple bien le maquis, on connaît bien la strate herbacée, donc on sait simuler ces choses-là. On sait simuler des couverts uniformes, c'est-à-dire une seule strate à un seul étage, et pas une double strate, c'est-à-dire une strate herbacée plus une forêt. Donc voilà, c'est un outil qui marche bien dans les limites de son utilisation. Il sert lors de la formation pour les exercices qui sont menés en avant-saison, à la fois dans le 2A et dans le 2B. Il sert pour le retour d'expérience, pour l'analyse sur les zones d'appui à la lutte, donc travail collaboratif entre les opérationnels et les universitaires. Il ne sert pas encore
au moment de la lutte. Hein, c'est-à-dire que... Ce sera son évolution. Voilà, c'est l'évolution souhaitable, c'est qu'il soit utilisé au moment de la lutte, mais il faut suffisamment de recul pour l'avoir validé sur un nombre de feux assez conséquent pour le confier, je dirais, à un utilisateur lambda. Malgré tout, il est utilisé en retour d'expérience, comme ça a été le cas sur le feu de Barbagne. Colin Maldassar, cet outil indispensable aujourd'hui ? Mais je pense que c'est un outil indispensable. D'ailleurs, il faudra peut-être que pour la future campagne feu de forêt, on l'ait à disposition pour le tester en grandeur réelle. Ce qui est important, c'est de participer à l'élaboration et à la stabilisation de l'outil informatique et de la simulation. Mais c'est indispensable parce que cet outil, couplé aux images qui peuvent provenir de l'aérosurveillance d'un avion qui filme en temps réel les feux, se superposer à l'outil de prédiction est un outil nécessaire au sein du centre opération départemental, mais encore plus à la disposition des commandants des opérations de secours dans les postes de commandement. Et c'est un outil d'aide à la décision. C'est ce qui va permettre de lui forger et de confronter les idées de manœuvre et de faire son choix. Ce n'est pas l'outil qui va prendre le pas sur la personne, sur le commandant des opérations de secours. C'est un indicateur. C'est un, comme on l'appelle nous, un outil d'aide à la décision. Et cet outil d'aide à la décision, il faut qu'on arrive à le construire avec nos collègues amis de l'Université de Corse. Vous l'avez vu fonctionner ? Oui. Écoutez, c'est remarquable. Moi, vraiment, je tiens à saluer tout le travail qui est fait par l'Université de Corte en lien avec le SDIS de B, parce que cet outil-là, bah, c'est vraiment le chaînon manquant de la sécurité civile. C'est-à-dire que qu'en matière d'inondation, on arrive à repérer les lits majeurs, les hauteurs d'eau, etc. Sur les usines Seveso, on arrive à peu près à voir les effets thermiques ou toxiques. Bah, sur les feux de forêt, on avait un trou dans la raquette. Et moi, je tiens vraiment à saluer tout le travail remarquable qui est fait, qui aujourd'hui fait ses preuves en matière d'entraînement et de simulation pour avant la saison. Et j'ai hâte vraiment qu'il puisse être mis à disposition des services de secours en conduite de feu. Moi, je rappelle juste le chiffre qui a été donné tout à l'heure sur le feu de Barbagio Poggio d'Olette. Le feu a fait 500 hectares. Sans l'action des forces des services de secours, il en aurait fait 10 fois plus. Cet outil sera commercialisé un jour ? C'est sa vocation ? Il est en accès libre déjà, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez sur Internet vous exercer pour simuler des incendies. Après, c'est un outil qui est développé par la recherche publique, donc il est au service des utilisateurs et du public. Après, si une société souhaite s'en emparer pour, je dirais, le commercialiser... Il faut déposer un brevet. Bon, il est déjà breveté, etc. Mais je dirais, bon, à l'université, pour l'instant, dans l'équipe, on n'est pas encore sur un développement commercial de l'outil. On est plutôt sur une utilisation public de l'outil. Alexandre Sens, un mot sur les moyens aériens de la sécurité civile, composés, comme chacun le sait, de 11 Canadairs, 10 Tracker et 2 Dash, qui sont les derniers arrivés, qui sont les avions gros porteurs. Les Tracker arrivent en fin de vie. Le ministère de l'Intérieur devra faire un choix dans les mois qui viennent. Est-ce que ce choix est déjà arrêté ? Est-ce que vous avez déjà des informations sur les options retenues ? Non, très, très clairement, c'est trop tôt pour dire de quoi seront faits les arbitrages ministériels pour la fin de l'année. Mais bon, les moyens en Corse sont affectés sur chaque saison feu de forêt de manière systématique, avec donc 4 aéronefs minimum répartis dans le sud et dans le nord. Et on a pu voir que le principe de subsidiarité s'applique, c'est-à-dire qu'en fonction du risque, eh bien, il y a une priorisation et une affectation de moyens, d'allocation de moyens adaptés au risque, avec des moyens qui nous viennent du continent. Et l'outil nouveau qu'on a mis à contribution cet été, c'est la contribution européenne, puisque nous sommes solidaires de nos voisins, et notamment de l'Italie, où on a eu un aéronef provenant de Sardaigne qui a pu être mis à disposition pour la lutte feu de forêt. Cette entraide européenne va permettre, dans un contexte budgétaire tendu, il ne faut pas se voiler la face, va permettre d'améliorer encore la couverture territoriale. Colin Baldassare, le remplacement des bombardiers d'eau, est-ce que les pompiers y sont associés ou est-ce que ce sont des décisions purement politiques ? Non, nous y sommes associés, et en particulier un certain nombre de directeurs du SDIS du Sud, dont je fais partie. Oui. Nous avons eu quelques réunions techniques avec le directeur général de la sécurité civile. La dernière
Une était à Nîmes, puisque vous savez que le transfert de la base de la sécurité civile va s'effectuer de Marignane à Nîmes. Et puis la récente, en avant-saison 2016, à l'école supérieure d'Aix-en-Provence, où le directeur général de la sécurité civile a réuni son groupe de directeurs. Ce que l'on peut dire, comme l'a dit M. Sang, c'est que le choix politique n'est pas fait sur le type d'avion. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons toujours une flotte qui sera polyvalente, des avions gros porteurs comme le Dash, genre Dash, qui seront confortés. Bien entendu, la politique d'emploi des Canadairs, elle n'est pas remise en cause. Je pense qu'elle sera amplifiée, elle sera consolidée en nombre et reste à trouver le bon vecteur aérien pour faire la détection et l'intervention. Ce qui est le rôle du tracker aujourd'hui. Ce qui est le rôle du tracker. Et les trackers, les premiers, à l'horizon 2020-2022, vont quitter le service. Donc ça va se faire par étapes. Quoi qu'il en soit, la Corse ne sera pas oubliée, puisque au fur et à mesure que les trackers partiront, seront sortis de l'activité opérationnelle, une grosse partie de ces trackers resteront en Corse, et puis après il y aura le glissement naturel et l'évolution de la flotte. Mais je pense que peut-être l'année prochaine, les choses seront connues. Il nous reste 5 minutes d'émission, Alexandre Sens. Mise en place de la collectivité unique au 1er janvier 2018, donc théoriquement mise en place également d'une régionalisation des deux SDIS. Où en est le dossier ? Écoutez, déjà, on peut indiquer que si la collectivité unique va se créer au 1er janvier 2018, les deux circonscriptions administratives de l'État ne sont pas remises en question. On gardera la Haute-Corse et la Corse du Sud avec deux préfectures, deux préfets, donc deux directeurs des opérations de secours dans deux départements différents. Et donc, de ce fait, on a besoin d'un maintien de structures des services de secours qui soient adaptées à cet organigramme-là. Maintenant, la voie qui nous est demandée d'être empruntée, c'est aussi une voie d'économie de moyens par le biais de mutualisation. Et donc, il est possible, une fois que la collectivité unique sera créée, il sera rendu possible de réfléchir à des mutualisations au niveau régional de certaines fonctions support et logistique. Mais sur le caractère opérationnel, on restera une chaîne de sécurité civile classique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y aura donc deux services aujourd'hui, comme aujourd'hui. Un Haute-Corse et un Corse du Sud, 2-10. Il y aura une coordination. Je ne sais pas si les noms seront tels, mais on aura le même mode de fonctionnement qu'aujourd'hui, puisque la sécurité civile est en fait une chaîne qui est une chaîne d'État. Hein. C'est-à-dire qu'on applique une chaîne qui n'est pas prête à évoluer en même temps que le schéma de la collectivité. Colonel. Mais en l'état de ce que j'ai lu dans le projet des ordonnances, c'est exactement ce que vient de dire M. Sens. Donc il y aura deux services départementaux qui seront appelés dans les projets d'ordonnances services d'incendie de Corse, bien entendu rattachés hiérarchiquement et pour action auprès des deux préfets, avec cette capacité d'avoir un établissement public interdépartemental pour mutualiser les politiques publiques. Et ces deux établissements publics étant eux-mêmes présidés par le président du conseil exécutif et donc deux conseils d'administration. Mais une structuration, somme toute, assez bien écrite reste à savoir ce que nous ferons en 2018. Ce service, hein, en tout cas, aura une compétence territoriale élargie, notamment pour intervenir à l'échelon européen. C'est en tout cas le souhait qui est émis. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une coopération avec les autres services européens? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on a déjà une idée ou est-ce que c'est encore trop tôt et trop flou? Mais au niveau européen, moi j'ai la chance d'avoir une autre casquette. Vous ne devriez pas être là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aurais dû être en Finlande pour présider la Commission européenne dans le cadre du CETIF. Et c'est mon collègue qui est directeur de l'école de Valab qui me supplée, puisque c'est mon vice-président. Effectivement, on essaye, sous l'égide de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en partenariat avec la direction générale, de retisser un tissu européen sur, bien sûr,
les pompiers au sol, parce qu'il faut agréger des compétences. Donc il faut essayer de remettre autour de la table quelques pays qui se sont un peu éloignés de cet esprit de mutualisation. Et puis après, il y a les mécanismes de protection européens, ceux qui sont régis par les textes nationaux et internationaux, qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, M. Sens a rappelé à fort juste titre que nous avons bénéficié de l'unique Canadair européen qui est venu en Corse dans une situation qui était particulièrement défavorable pour la France, puisque nos Canadair étaient indisponibles pour quelques jours. Donc le mécanisme a bien fonctionné. Alors il reste 2 minutes d'émission, un petit peu plus. La saison est loin d'être terminée. Nous sommes le 7 septembre. Certes, il a plus ces dernières 48 heures. Pour autant, est-ce que ça ne fait qu'éloigner le risque ? On a vu qu'il y a eu des feux en novembre, en décembre, en janvier parfois. Demain, c'est la Vasine et la Sente. Peut-être qu'après le 8 septembre, il y aura des pluies. Non, c'est vrai que c'est très sérieusement. On est dans une situation de sécheresse. Malgré la pluie ? Malgré la pluie, parce que je ne pense pas que les quelques millimètres d'eau aient inversé significativement le niveau de sécheresse au niveau régional. Mais enfin, c'est quand même toujours bon à prendre et ça permet de décaler dans le temps la fin de campagne qui, j'espère... Il y a des feux de plus en plus tardifs depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Il y a des feux qui débordent à l'automne, au début d'hiver. Rappelez-vous, l'an dernier, au mois d'octobre, quasiment entre fin septembre et début octobre, on a fait 300 hectares du côté de Folil, sur les piémonts de Folil. Donc vous voyez bien, on n'est que le 6 septembre et on a fait 300 hectares l'an dernier. Avec une vitesse de propagation qui est moins forte quand même. Avec un vent de nord-est comme aujourd'hui qui était montré sur les contreforts et qui nous a posé de sérieux problèmes. On les oublie vite, mais ça fait 300 hectares quand même. On va terminer avec vous, monsieur le maire. Quelles seront les actions que vous mènerez dans les prochains jours sur la commune ? C'est l'aspect le plus important aujourd'hui à mes yeux. C'est d'envisager, comme nous l'avons fait avec déjà monsieur le préfet, le président du conseil exécutif, le président du conseil départemental, les pompiers. Il faut maintenant structurer un petit peu mieux ce massif pour éviter qu'une nouvelle catastrophe aussi importante puisse se reproduire. Voilà, cette structuration appellera des mesures concrètes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, ce premier Confronti de la rentrée. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse via Stella Bastia. Merci à Evelyne Pietri qui a assuré l'édition de cette émission. Les images que vous avez vues ce soir ont été tournées sur l'incendie de Barbadge ou par Christian Julian ou Philippe Villaret, Pascal Alessandri et Guillaume Léonette. Une émission que vous pouvez revoir en multidiffusion sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Confronti. Merci, bonne soirée.